Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre série avec Flo sur Police Simulator Patrol Officer. Salut Flo! Bonjour officier de Ned. Bonjour officier Flo, excusez-moi j'ai oublié votre grade, tout à fait. Ah ouais. Enfin c'est même pas un grade, mais enfin votre titre plutôt. Et puis ben, on va partir sur un troisième quartier, puis on va voir si là on va être appelé pour des accrochages ou pas. Alors je pense que ça, on va bien voir, on va voir à quoi ça ressemble. Et l'avantage, c'est qu'on a la VAR avec nous. On a C'est... moi, le Ciné Noir et Soren qui sont à la vidéo pour vérifier que Tout à si on fait. ne rate rien du tout. Ouais, exactement, on a bien tout le monde. Hop, je remets mon chat qui est là. Merci à l'œil de Moscou. C'est ça. Bon, on a toujours le bonus, c'est toujours pour les contraventions stationnement. Mais je pense qu'on peut être appelé effectivement pour des accrochages. Et on a aussi le pistolet radar, on peut tout faire. Voilà, on est en mode. Et on a l'appareil photo. Et on a l'appareil photo, effectivement. Tu peux prendre une photo de moi si tu veux. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, j'arrive. Voilà, comme ça, on montrera au patron que je suis en train de bosser, tu vois. Cheese! Cheese! Voilà! Super, nickel, comme ça. Si jamais on te dit, waouh, Damned, il bosse pas beaucoup, tu pourras montrer la photo, hein, pour prouver le contraire. Bon, c'est tu vas à parfait. Gauche. Ah, 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 j'ai rien d'accrochage. On prend, on y va, on prend. On y va, on y va. C'est où? Qu'est-ce qui se passe? En haut, à l'est, à l'est. Ouais, la vache, putain. Vivement qu'on ait une bagnole, hein. Accident à un carrefour, le sous off d'Anel a traversé la route sans regarder. C'est sûr. À Soren, il m'en veut, hein, pour traverser. Il oh, pensera bah, à moi. Il pensera à moi cette semaine quand il va traverser sur la route où il y aura des gens traversés. Il va dire, ah oh là là là. C'est pour ça, si vous vous êtes dans le nord de la France, faites attention où vous roulez. Vous verrez peut-être un Damned. Tu vois pas les trucs récupérés avec les points sur le chat. C'est-à-dire. De quoi? En bas à droite, les points de chaîne? Je sais pas, je sais pas, je suppose que c'est de ça qu'il veut me parler, mais je ne sais pas. Je vais où moi? Je les ai pas vus, vous avez envoyé, c'est l'heure de la pub et à boire. Alors je sais pas comment on envoie une pub, donc c'est mal barré. Et dire qu'il a dépensé 2000 points pour ça. Mais non, mais je sais pas comment t'envoie une pub, moi. Moi j'en sais rien. C'est l'heure de la pub, je sais pas moi. Attends, attends, bah attendez. Non, je sais pas parce que j'ai pas Twitch. Je le mets sur mon portable en parallèle. Je l'ai pas. Ça doit être pour ça en fait. Bon, excusez-moi, on a un accrochage là. Ouh là là. Ouh là, ouh là, ouh là. Je prends les photos. Je laisse discuter avec les gens. Terminé de vous occuper de la progression. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parler avec les gens peut-être. Donner procès à malin. Test dépistage. Oula, 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 mais c'est que j'ai pas. Attendez, madame, je peux lire mon manuel s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment on fait dans un cas comme ça. Okay. Comment ça se passe? Un collecte de preuves sur le lieu de l'accident. On interroge les témoins et les conducteurs. On prend en photo les dégâts et on effectue des tests de dépistage de drogue. Ne sont que des obligations. Ok. Les disputeurs types d'accident, ok. Les accidents légers sont les accidents graves, cela affecte les accidents. Oh putain, oh, il y en a du texte, hein. Obligation, soins aux personnes blessées, appeler une ambulance, interroger. Oh là 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 là, mais il y a trop de choses à faire! Je suis en train de prendre les photos! Oui, bah c'est bien, bravo, mais il n'y a pas que ça à faire apparemment. Je regarde où il y a tous les dégâts! Attendez, parce que. Wop, wahahaha. Ah bah il y a une pub qui est apparue, effectivement, ouais. Ok, alors écoutez, madame, je sais pas ce que je dois faire, c'est la première fois que je viens. Mais je vais interroger. Ouais. Très bien. Je peux vous faire un test de dépistage d'alcoolémie, s'il vous plaît, pour être sûr que vous êtes en forme. Ok, nickel. Vous n'avez pas de. Vous êtes bien. Je vais également vous tester pour drogue. Parce que on sait bien que les gens. Voilà. Résultat négatif. Bah, je suppose qu'ils sont négatifs, il y a une croix. Ok. Procès verbal est approfondi. Alors, ah bah oui, alors moi, la dame que j'ai
dressé son procès-verbal. Elle m'a dit qu'elle a mis le clignotant et l'autre personne n'a pas mis son clignotant et sont rentrés dedans. Elle Et a le moi taux je... d'alcoolémie négatif et les opiacés pareil. Ouais, mais par contre, moi, elle m'a dit, mais elle m'a dit quelque chose, mais je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, je peux pas lui faire répéter. C'est con. Elle m'a parlé d'un truc et faut We peut-être are pas fou. finished here. You're free to go. Non mais. Have a nice day and take care. Mais tais-toi, toi, pourquoi tu. Qu'est-ce que tu racontes? T'as fait quoi, tu... Faut un troisième témoin. Ouais, mais il y en a pas. Eux là? Bah, Ouais, ils. peut-être des gens? Ouais, non, et eux non, Hello? c'est pas des témoins, ils ont rien vu. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Non. Ah oui, donc en fait, j'ai commencé à fouiller le véhicule sans faire exprès, je me trompais, j'ai fait c'est bon, machin, et du coup, elle s'en va. Et du coup, on peut plus la, lui parler. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. En gros, j'ai fouillé. Non, finalement, je n'ai pas fouillé votre véhicule, bonne journée, et du coup, elle s'en va. Ok, et on peut plus lui parler, elle est plus considérée comme. Oh putain, c'est relou ça! Oh putain le lag. Oh le lag. Non ça y est c'est bon. Je suis en train de fouiller le véhicule. Oh, y a pas Attends, grand j'attends chose. 2 secondes parce que ça se... Voilà, hop, on se remet en... Ah tu peux fouiller le véhicule? Alors, tu vois quelque chose? Non, rien de spécial. Ah si. Ah, tape, tape, Chewing-gum. tape. Chewing-gum Attends, sur la porte attends. avant gauche. Et moi, porte avant droite, arme de poing et collation. Ah Arme de ouais. poing. Ah ouais, Arme non, de bah poing. alors là, oulala. Alors, madame, est-ce que vous avez... ID and if available, proof of insurance, please. Here you go, officer. Merci. Je pense qu'on pourra rédiger le procès-verbal, hein. Donc ok, faut jamais dire aux gens bonne journée, sinon ils peuvent partir. Newton Valley. Date d'expiration le 5-12-2020. Ça passe. Voilà, elle a de la chance, hein. Bon bah, c'est bon pour toi? Ah non, 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 non. Permis de port d'armes, non. Et elle a une arme. Ok, bah... Je sais pas. Attends, tu regardes mon manuel ce qu'il dit? Parce que moi, tu sais, je suis pas au courant de tout ça. Hein. Infraction. Conducteur. C'est pas code de la route, hein, du coup. Carte des délits, suspect, palpation et fouille. Et disent quoi sur Ok, here's your accident report. Thank you, officer. Je vais donner mon rapport du procès-verbal. Porter un objet inégal. We're finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Ouais, j'ai pas Peut-être tout compris à... on n'est pas assez évolué pour. On peut faire quoi de plus Et du coup? Faut peut-être appeler les dépanneuses, alors, non? et des dépanneuses, ouais, Vehicle c'est ça. here that needs towing. I need a wrecker at my current location, I have a please. vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location. Sure, it'll be with you Mais shortly. je sais pas trop ce qu'il faut faire d'autre en fait. Sure, it'll be with you shortly. Pistolet tout en bas. Oui, c'est vrai que t'aurais pu lui mettre les menottes hein, à la nana, hein, du coup. Hein. Ah oui, mais je sais pas si on a le droit de mettre la menotte. Ah bah, port d'armes illégales, je pense Bah, que si. elle est partie où? Ah bah, c'est fini, Ah, c'est fini. une fois que tu leur dis au revoir, c'est fini. C'est le jeu Bon, ça sera la prochaine. les décroche de l'incident. Ouais. On n'a pas très bien géré hein, ce coup-là, hein, je crois. Hein. On a quand même des personnes un peu sadomaso dans le chat, hein. Un peu. Il est handicapé, tu peux pas. Je peux quand même lui mettre sur le trottoir. Hein. Oh, et t'as la Donc. voiture, comment elle pollue! Ah ouais. Oh, les deux dépanneuses. Les deux trucs. Que c'est beau. Dans ton manuel, tu avais pistolet tout en bas. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai pas vu. C'est qu'il est un peu. Ça bug un peu leur truc, donc. Non, c'est pas ça. Je peux pas descendre en fait et cliquer en bas, c'est mal foutu. Si, comme ça avec les flèches. Tirer avec le pistolet. Ouais, non, non, il n'y a pas, c'est pas ça. Ça, c'est moi pour l'utiliser. Carte des délits. Appel de service.
Ouais, c'est le truc qu'il faudrait lire à avant ça, mais on la flemme quoi. Oh, tu m'étonnes. Bah, t'as vu le nombre de SP qu'on a eu en un seul truc? Ah, on l'a réussi finalement la mission? Bah oui, on a réussi. Ah, mais d'accord, bon bah tant mieux alors. En fait, j'ai rédigé le procès-verbal et je l'ai donné aux personnes. Ok, bah écoute, tant mieux, hein. Bon, bah en attendant d'être appelé ailleurs. Le signe te dit qu'il y avait dans le manuel le pistolet tout Oui, en bas. je suis allé voir, mais en fait, non, c'est comment utiliser le pistolet pour un policier, quoi. Bon. Voilà, cette bonne ligne droite, elle me tente bien là. C'est vrai Bon. que pas mal. Bon, ça doit être du 35 ici, non? Bon, c'est obligé. Enfin, je vois pas le panneau, mais c'est obligé. Je dirais pas ça dans le signe. Je pense que la femme, en fait, elle était pas en tort, mais elle doit être une fada de la voiture. Et voilà, paf. Heureusement qu'elle l'a pas sorti, hein. Son pistolet. Hop 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 hop, je vous ai vu. Abandon de détritus, avertissement. Vas-y, vas-y, j'en ai fait une aussi. Elle semble vraiment heureuse. Ouais, c'est bien, je suis ravi pour elle. Elle semble heureuse que tu as fait une contravention ou que tu aies fait un Non, non, je avertissement. l'ai juste un avertissement. On est 35 là-dessus. On Ouais, est pour. deux. On est deux. Ouais, c'est dur d'avoir un bon spot hein, pour ça hein, quand même. Hein. Une bonne ligne droite comme ça, là, ça doit attirer les gens. Ouais, on veut d'autres appels, on veut des accidents, on veut des morts, nous. On veut du sang. Petit. Oh, la pollution des bagnoles, quoi. Non, mais c'est pas possible, hein. Elle est où abandonner les déchets? Elle est là. Elle a disparu? Ça arrive. Et ça m'a bugué, et ça m'a fait bugger. Magnifique. Eh ben, ça faisait longtemps. Ouais, en fait, je pense qu'après ça devient plus sympa. Enfin, au fur et à... enfin, plus sympa après. Bon, le jeu est répétitif forcément, mais plus tu vas débloquer de choses, en fait, plus en fait dans une journée, tu vas être appelé un coup sur un accident, un coup sur un truc. Mais au début, c'est rébarbatif en fait. Et plus tu vas avancer et débloquer des choses, plus sur une journée, ça va être un coup un accident, un coup ci, un coup ça. Un coup ci, un coup ça. Ouais, donc c'est intéressant d'aller un peu plus loin quand même pour voir un peu toutes les petites choses qu'ils ont pu mettre, quoi. Que tu peux m'en inviter, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Flo, invité. Voilà. C'est vrai que je trouve que les gens respectent un peu trop le code de la route. C'est pas normal. Ouais, je suis un peu d'accord. C'était pas mal le comment s'appelle l'accident là, de voir comment ça fait et de Ouais, quand c'est après. ça bug un peu, mais ouais, ça deviendra drôle quand on aura des gens armés. Ouais, bah faut passer par quelques sessions avant Ou même la voiture, hein, ça doit où être ça pas ne mal sera la pas le voiture. cas. Oui, après on a les patrouilles. Ouais, En voiture. j'ai peur de la conduite de la bagnole, mais Ah, si tu attends un truc du style GTA, ah non, pas vraiment. Je pense qu'on sera plus proche d'un drive des années 95 que. Allez hop, toi t'es en excès de vitesse. Ouais, plutôt ouais. Je pense que. Et moi, il faudra pas compter là-dessus, hein, les poursuites américaines. Si tu crois qu'il va y avoir les hélicos, ça Ouais, décidément non. soit. Ça reste un simulateur allemand, hein. Faut pas s'emballer. Et comme je disais à Damned en off. Ils sont sortis un simulateur de tondeuse à gazon. Oui, t'as même un aspirateur, t'as même un simulateur d'aspirateur, de robot aspirateur. Oula. Ah ouais.
connais le jeu un petit peu, Soren, du coup? Parce que je vois que Soren parle du jeu. De l'aspirateur simulateur ou de celui-là? De celui-là, bien sûr. Quand même, j'ai un peu de respect pour lui. Là, il te dit. Mais non, l'aspirateur. Ça pourrait. Bon, j'arrive à faire quelques verbalisations quand même. Oula, il y a un mec au milieu de la route qui est en train de courir. Ah. Ah, c'est toi ? Ah, d'accord. Ah bah oui, bah c'est moi, je verbalise moi, monsieur. Je me suis dit, youpi, un mec armé, en fait, c'est même pas armé, c'est un radar. Ah merde, 25-5, ça passe pas, bon. Il a un aspirateur automatique. Eh bah, tu n'as plus. Si tu veux savoir ce que vit ton aspirateur, tu n'as plus qu'à jouer à. Je sais plus comment, Simulator. Non, mais toi, t'es mal garé par contre. Trop près d'une passage piéton. Voilà. Oh. Plus des panneuses. Ouais, c'est parce que c'est un handicapé. En face, tu peux aller le verbaliser, il est sur le trottoir. Hein ? Ils viennent dans 24 heures avec la dépanneuse, sérieusement ? Mais le mec, il aura le temps de partir en 24 heures ! C'est ça. Ouais, elle est mal garée, on vient la semaine prochaine. Ouais. Ah, l'administration. Les fonctionnaires. Je suis sûr qu'aux États-Unis, les dépanneuses, c'est les fonctionnaires. Ah, j'avoue. Ah, je te pourris ta journée, ma pauvre. Ah, bah, va chier. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une contravention parce qu'elle a traversé devant moi. Voilà. Hop. Plus 20 ? Punaise ? Ah, oui, c'est le bonus, c'est vrai. Yep. Oula, cette route elle est pas mal pour. C'est combien? C'est 35? Hop! On va encore appeler la dépanneuse qui va venir dans 24 heures. La société de bus appréciera. La société de bus. Ah oui, parce qu'il est devant. Ouais. Ah, oh bah là c'est maintenant tout de suite. Bah oui, j'ai même pas le temps de finir l'appel que. Hop, elle est déjà là. Alors que l'autre côté de la route, le mec il m'a dit dans 24 heures. Je sais pas, il y a une raison. Oui. Il y a probablement une raison, ouais. Ça s'appelle la flemme. Ouais. T'es une voiture de sport, va plus vite que 35. Ouais, c'est clair. Ah là, il y a du trafic hein, quand même de bagnole. Hein. 35. Merde, c'était limité à 35 ici. Je croyais que c'était 25. Ah oui, sinon j'en aurais plein là. 35. Ah, y'a un mec qui traverse illégalement, je l'ai vu. Ah non, il traverse légalement lui, il est sur un passage piéton. Je m'en fous, c'est illégal. Tu vas encore perdre des points. Non, je le fais pas. Alors par contre toi, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a fait ? Elle vient de se faire à moitié écraser, ce con là. Oh, elle c'est infraction directe. Hein. C'est contravention. Hein. Ah non, elle vient de se faire dégommer quoi. Tu t'attendais pas que ce soit aussi cher ? Ah bah oui, bah voilà. Au revoir. Bravo. J'ai quand même l'impression que s'ils nous voient, ils ralentissent quand même. C'est possible. Comme quoi, c'est un sport, hein, attraper quelqu'un. La vitesse de quelqu'un et la voix. C'est vrai. Wow! Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il fallait me faire écraser. Alors que j'étais juste au milieu de la route. Comment on sait que les gens ils vont à 35 et ils dépassent pas les 35? Allez, un petit 38.
Ah, 40 km/h. Enfin. Je crois que j'ai un bon spot là. Petit. Oh lui. Allez hop. Putain, mais ça t'es pas en chaîne, hein. Hop, une dépanneuse. Hop, monsieur, vous avez traversé en plein milieu de la route. Je peux vous dire qu'on fait un peu de chiffre là. Merde, je voulais pas faire ça! Et merde, j'ai encore perdu des points. Je clique trop vite. Attends, mais je voulais lui mettre une contravention. Merde. Trop près, bah je pense qu'en fait, moi, s'il est sur le passage piéton, c'est bon, mais s'il est à 5 mètres, c'est fini. Hein. Ah non, sur le passage piéton, c'est pas bon. Si t'es sur le passage piéton ou juste devant, genre le passage piéton, si tu veux, il est là et la voiture elle est là, et bah c'est mort, t'es trop près. Tu dois laisser de l'espace devant et derrière. Tu rentres au commissariat? Petit à petit, oui. J'en profite pour remettre une verbalisation ou deux, hein, si je peux. Si c'est pas déjà fait, ça c'est déjà fait, ok. Ah bah oui, on a travaillé quand même. Ah bah, hé, qu'est-ce que tu crois? Ah oui, celle-là j'ai déjà dit de venir la chercher, mais ils m'ont dit non. T'as presque 300. C'est au jugé. Je sais pas ce qu'ils en parlent dans le jeu. Bah, dans le infraction au manuel, code de la route. Dans le manuel, j'ai pas vu de. Les policiers, comme tout usager de la route, sont tenus de respecter le code de la route. Ah oui, merde, ça on verra ça quand on a les bagnoles. Oui, ah oui, je pense que c'est pour ça. Oui. Stationnement, je suis pas sûr qu'ils en parlent de ça. Si, peut-être. Trop près du passage piéton, le remorquage justifié. Pour faciliter le passage des véhicules d'urgence et assurer la sécurité aux piétons, l'avis exige que les résidents et les visiteurs se garent à au moins 6 mètres de toutes les intersections. 6 mètres. Donc c'est au jugé, mais bon. On peut pas mesurer quoi, mais. 1, 2, 3, 4, 5. Avec les pas. C'est ça. Alors, papa. Allez, on rentre au coco. Ouais, 6 mètres, c'est déjà pas mal. Une femme a traversé illégalement. On est 4 jours déjà. Monday, mais par contre, ah non, c'est toi, c'est légal là son truc à lui là, il est bien garé. Je suis pas sûr, hein. Pourquoi? Je sais dans pas, le bon sens, lundi, bah non, oui, mais bon. Il gêne là, non, 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 peut-être pas. Il est dans un renfoncement, c'est vrai. Non, pour moi, il gêne pas. Ok, il est où le comico? Par là. Ouais, comme d'hab, on part pas du tout dans la même direction, quoi. Mais tu vas où? Mais tu vas où là? Ouais, bah c'est bon. T'as un truc qu'il faudra jamais qu'on fasse ensemble, hein, c'est une course d'orientation. Hein. Bah pourtant, si, normalement je me débrouille plutôt bien, mais là je t'avoue que je trouve que c'est pas très clair. Oh, attends, y'en a un qui traverse illégalement, et à deux à l'heure en plus. Ouais, je vais mettre un aspect en mode verbal parce qu'il est juste à côté, mais. Il est vraiment à côté de la zone, mais bon. Il semblait soulagé. Bah oui, mais bon. Ah bah, de toute façon, Damned adore les heures supplémentaires, de toute façon. Oui, bon, ça va, c'est vrai. Damned va rentrer, Damned va rentrer. Où est mon... Rendez-moi mon bureau! Ah, voilà. Non, ah bah c'est vrai non, qu'on est à la limite de 300 points quand même. Hein. Oui, c'est vrai, 297. T'as perdu combien de points, toi, de points de, de sécurité, non, de conduite, pardon. 20, j'en ai perdu encore. Ah, t'as vu, moi j'ai perdu 5 points lors de l'accident. Parce que je crois que la dame, je lui ai dit carte d'identité. Ah mais le problème, c'est que elle avait le port d'arme qui était négatif, qui était... alors qu'elle en avait un, donc...
Ah, on va être obligé de refaire. Oh là là, on a débloqué la voiture de police et tout. On va être obligé d'en refaire une. Hein. Ouais, oh, voiture de police, non. Le panneau stop, suspect recherché. Oh punaise, alors là. Oh bah là, c'est jackpot. Ah, c'est jackpot. Là, ça commence à devenir intéressant. Bah, je pense qu'on peut rester sur Beaufort Landing, c'est l'heure d'être. On était où là? On était sur Chester? Ouais, bah là, on a soit North Point, patrouille en voiture. Ouais, ça, ouais, à boire, mais j'ai pas d'eau là à côté de moi. Moi, je vais à boire si vous voulez. Non, mais vas-y, bois un coup. Il y en a un, et puis moi, je vais boire celui de tout à l'heure qui a pas été fait. Et puis la pub, elle a fini par être envoyée. J'ai pas compris comment, j'ai pas géré. Voilà. Je sais pas si c'est le signe qui s'est connecté avec le compte de la chaîne pour lancer la pub. Malice à boire, malice à boire. Non, non, Malice, elle travaille là, donc elle peut pas. Donc, je me suis rempli un verre, voilà. Donc North Point ou Historic Downtown? Comme tu veux. Bon allez, North Point, c'est la marrant. North Point, en voiture. Allez. Allez, on se fait une petite dernière cette fois-ci, c'est sûr. On fait bonjour la VOD, au revoir la VOD ou pas? Non, non, on reste sur ça, c'est pas grave, ça fera des vidéos un peu plus longues, c'est pas grave, les gens ici s'amuseront. Alors, comment ça marche? Oh la vache. Tu veux conduire? Je te laisse conduire. Ça va être une catastrophe. Hein. Alors, ah, faut mettre les clignotants et tout. J'ai la voiture, j'ai l'ordinateur de police. Ah, il y a le frein à main, il y a un régulateur de vitesse. Oh putain. Feu de détresse, sirène. Attends, sérieusement là? Bah moi, je peux rien faire dans la voiture. Mais attends, parce que... Attends, parce que j'ai des boutons qui marchent pas, là. Ah non, mais laissez-le moi l'ordinateur de bord, hein, les gars. Oh là 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 là, Ah ouais, mais attendez, là, parce que... Faut que attends. c'est quoi les touches? Parce que ça va être compliqué, là. Frein à main, allumer les feux de détresse, c'est bien ça? Ah ouais, d'accord, ça considère... Ouais, ok, c'est à l'anglaise, c'est pour ça. 3. 4. Clignotant gauche, clignotant droit, la sirène. Sirène, c'est R. Oh putain, ça va être chaud. Et on a la vue intérieure. Ah non, non, mais la vue intérieure, je peux pas, c'est pas possible. T'inquiète pas, je vérifie un peu les voitures autour. Ce véhicule n'a pas utilisé son clignotant. Ouais, mais alors... à lui? Ouais, arrête-le! Comment on fait? Je sais pas moi! Bah tu te mets devant, tu mets le clignot! Mais non, mais normalement on a la sirène pour ça! Ouais, c'est pas ça! Ouais, mais trouver l'individu. Attends, mais y'a trop de choses là! Trouver l'individu recherché! Ok, mais ouf! Tu la vois sa tronche? Ouais, je la vois, c'est une dame noire, les cheveux bouclés. Nelson Manila, 35 ans, pantalon bleu. Ouais, mais attends, j'ai un problème là. Mais n'écrase pas les gens non plus. Non, mais. ça marche pas, je peux pas activer les. Il faut aller dans Beaufort Landing. Oui, mais je peux. Oui, mais je peux. J'ai mis un point. Je peux pas activer la sirène. Mais c'est pas grave, vas-y. J'ai mis un point. Non, c'est un problème. Attends, je sais peut-être pourquoi. Appliquer. Ah, j'avais pas appliqué. Vas-y. Voilà. Fais demi-tour! Fais attention! Oh la vache! Ok, elle va bien. Heureusement, on a une voiture fantôme. Hein. C'est quoi ça? Pourquoi une voiture à gauche là? C'est pas là? Non! Alors, je suis désolé, je vais pas trop lire le chat, les gens, hein, parce que là, c'est. Je lis les chats. Ok, ça lag un petit peu. Non, c'est moi, tu peux pas écraser des piétons. Attention, bordel. Ça rame un peu, hein. Mais arrêtez avec ces véhicules, n'a pas utilisé son clignotant, je m'en fous et je vais pas du tout dans le bon sens, putain. Mais c'est quoi cette voiture? C'est par là, t'inquiète pas. Ok. Bah, dis-moi, hein. À droite. Ok. Et encore à droite.
On s'en fout. Et c'est tout bon moi. Je sais pas si je peux faire des collisions avec les autres véhicules, mais on va bien finir par le savoir, hein. Ralentir. Oh, ça rame. Ça rame à mort. Stop, on sort de la voiture, on sort de la voiture. Écarte-toi et on sort de la voiture. C'est normal que ta voiture elle est rentrée dans le sol. Non, moi bah chez moi tout va bien. Alors, tu dois voir qu'elle est dans le secteur. J'en sais rien, je sais. En appuyant sur M, tu vas voir qu'il y a un cercle rouge. Ok, faut trouver Nelson Madison. Ok, le chat, je compte sur vous si vous la voyez. Donc, personne black, elle a les pantalons bleus. Je vais voir dans le parc. J'y suis déjà. Je crois que je l'ai. C'est bon, elle est là. Attends. Elle s'enfuit. Elle est où? Hop, pistolet paralysant. Merde. Et ça me dit, cette femme vient de traverser illégalement. Bah oui, elle s'enfuit. C'est bon, ça y est, je l'ai chopé. Ouais, je l'ai tasé. Alors là, fouiller immédiatement. Elle a quoi sur elle? Calepin, arme de poing et de l'argent. Alors l'argent déjà, hop, ce sera pour le baby-foot de ce soir, ça va dans la poche. Nickel. On va la menotter. Port d'armes illégales. Port d'armes sans permis. Ça se trouve elle a le permis mais je m'en fous. Plus 90. Allez hop. Ouais, là ça devient un peu fun, ouais. You're a terrible cop. Et on va appeler le transport d'arrestation. Tu vas chercher la voiture? Je t'attends là. Je vais chercher la voiture. Fais gaffe en conduisant, un conseil. Je vais aller doucement, je vais pas faire une damnée. Allez hop. On attend les collègues. Faut que je recharge mon taser du coup. Tu sais que t'es pas obligé d'attendre les collègues, hein. Bah, je trouve ça ridicule de se barrer quand même, moi. Genre, tu la laisses là, quoi. Bon, vous attendez, madame, vous bougez pas, il y a un collègue qui va venir, hein. On vous surveille dans le rétro, surtout, vous ne bougez pas. Merci, madame. Passez une très bonne journée. Eh, oui, passez une bonne journée. Ça demande si ça va être un transporteur du futur. On l'a déjà vu, non? C'est un mec qui vient avec un petit fourgon. Je sais pas ce qu'il fout d'ailleurs, mais... Bon, je reste tout peut-être lui, là. Tiens, le vla. Non? C'est pas lui, là, qui arrive, là? Si, c'est lui, là. Attends, fais demi-tour, comme ça, ils vont le voir. Mets ton clignot... Ok, donc quand tu tournes à gauche, tu mets le clignot à droite, toi. D'accord, très bien. T'es ce genre de policier, là. Ouais. J'allais dire, je crois qu'il peut pas sortir, mais visiblement, si. Alors... Bah, elle était gentille, elle a pas bougé. Voilà. C'est bon? Ouais, voilà. Voilà, après il la met dans la voiture et puis là il s'en va. Tu vas un peu vite, hein? Tu fais un peu du contresens, hein? Oh, de suite. Alors vous inquiétez pas, avec Flo, vous allez vite voir si les collisions fonctionnent ou pas. Hein. On grille pas les feux rouges, hein? On est pas dans GTA. Hein. Je m'en fous. J'ai le clignot. Ah merde! Oh là 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 là. Tu veux pas que je conduise? Non, ça va. T'es sûr? Oui. Ah, y'a un truc avec la voiture rouge. Qu'est-ce qu'elle a? Bah, je sais pas. Y avait des choses dessus. Y avait des flèches. Tu dois avoir un souci? Pas, je lui demandais de s'arrêter. C'est quoi le problème avec elle? Dis-moi parce que moi je la bloque mais je sais pas de quoi. Qu'est-ce que c'est, hein?
Alors, madame. Je sais pas, il y avait comme un il y a écrit Merde. pas de clignotant. Pas de clignotant. Ouais, pour elle? Ouais. Alors comment il marche ce truc là? Ah! Oula! Le conducteur, la conductrice a signalé. Elle cherchait une place pour se garer. Ah, bah c'est bien, ça veut dire qu'elle va se garer pour qu'on la contrôle. Allez hop! C'est bon. Je vais déplacer le véhicule. Vas-y, vas-y. Allez, madame, garez-vous. Aïe! La voiture devant a réussi à trouver une place de parking appropriée. Ok. Ah, là, ça devient fun là. Là, ça devient Alors cool. voilà. Oui. Madame, sur une arrêt de bus là. Ouais, madame, on va vous verbaliser du coup. Maître conducteur en garde à vue. Ouais, Pour. alors c'est peut-être un peu fort, mais. Infraction de quoi? Du véhicule? Oh, oh la gueule de notre Je vais nous mettre un PV. Est-ce que je peux nous verbaliser pour état déplorable du véhicule? En plus, je me suis garé devant un truc expiré. Nickel. Ok, donc ça s'utilise, on fait ça et on clique gauche. Ok, maintenant je sais utiliser le panneau stop. Donc il y a un des particuliers. En garde à vue, Ah après bim, la dépanneuse. oui. Putain de merde. Ah, c'est bien fait, le pare-brise il est pété, mais ça me gêne pas de l'intérieur. Ok. Bon ben. Tu lui as fait quoi du coup? Ben rien, je l'ai laissé repartir. Il n'y avait rien en fait. Ok, t'as planté non? Moi j'ai planté aussi. Ouais, d'accord, ok. Bah attends, je vais continuer moi. Ah, tu veux même plus me réinviter, d'accord. Ah Avec si si si, plaisir. pardon, c'est vrai, faut que je te réinvite, excuse-moi. Bah je peux pas, alors faut que je t'expulse avant, voilà, c'est fait. Et que je t'invite. Merci. Mets des sous pour payer ta place. Je ne pouvais pas. Pourtant j'ai pris des sous à la femme, hein, mais. Bon, en attendant, je vais rouler. On va peut-être couper le clignotant à droite, parce qu'on roule pas à droite. De toute façon, on sait que les policiers, ça va le payer. Hein. C'est le klaxon, ça! Oh la gueule du klaxon! Tut tut. Ce véhicule n'a pas utilisé son clignotant. Lequel? Y a souvent un truc dessus qui. C'est ça qui fait que ça. Ouais. T'as une flèche au-dessus, comme ceux qui traversent au mauvais endroit et. C'est quoi jauger la vitesse? On peut jauger la vitesse d'une autre voiture en face? Ah ouais, d'accord, en fait, c'est ça. Peut-être. Je mets pas trop les clignots ni rien, moi, honnêtement. Peut-être qu'en fait tu perds ouais, des points de conduite que si tu ramènes ta voiture en mauvais état. Je ne sais pas du tout. Est-ce que. Bah, J'ai rien d'accrochage. oui, est-ce que tu veux pas venir me chercher en passant? Bah, j'ai l'impression que t'es à côté du truc, non? Non, je suis à 730 mètres. Ah, ok. Alors j'arrive. Et je mets la sirène parce que fuck. Hein. Fouah, ce virage, comment je te l'ai pris comme un PGM? Ah, ouais, bon, celui-là, moi. Écartez-vous, putain! Mais dégagez là, je vais aller chercher mon collègue! Fais gaffe, hein, je. Bon, ben voilà, t'as la réponse, aide-moi. Ouais, PGM à mi-temps, ouais, ça c'est clair. Hein. Le pire, c'est que tu sais que t'es en train de faire un grand tour pour venir me chercher? Ouais, mais regarde. Non. Va falloir voir, ouais, parce que j'ai le jeu qui. Ah! Rame un peu! Qui est très mal optimisé. Vas-y, hein, prends ton temps pour traverser. T'es C'est notre où? bagnole ça? Je suis devant, merde! Ouais! C'est notre ruine, ouais. Le Il a pas signe. arrêté, Le signe qui dit pour gérer un accrochage, il en provoque 60. C'est à peu près l'idée. hein! J'ai mis le point où faut aller. Ah, tu peux faire ça, c'est cool! Oui, bah on sait, mais on n'a pas le temps de gérer. Mais des fois, ouais, quand c'est en bagnole, le jeu a tendance à ramer un petit peu. Du coup, c'est pas très pratique. Faudrait que je baisse un peu les graphismes, mais bon. Il est vraiment pas très opti, hein. Mais bon, Bah c'est des oui, mais simulateurs. attention!
Mais c'est pas moi, c'est elle! Bah oui, bien sûr. Mais on s'en fout qu'il a pas une session clignotant, on est sur une urgence là, putain! Merde! Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, rejouer la journée! Bon bah non, on va pas rejouer la journée, hein. C'est bon, on va arrêter là. Qu'est-ce que t'as fait, t'as écrasé des gens? Non, je suis sorti du secteur! Ça ramait tellement que j'ai pas vu, je m'en suis pas rendu compte. Oh, bravo! Bon, eh ben écoute, hein. On se refera ça une prochaine fois, je pense que ça te va. Oui, on se refera une patrouille un peu plus propre, justement. Là, ça nous a permis de découvrir. On fera un truc un peu plus sympa. Bon, bah, on va arrêter là le petit live. J'espère que ça vous aura quand même plu, que vous serez marrés avec nous. Au moins, si vous êtes marrés, c'était l'essentiel. C'était tout simplement le but. Je bois, pardon, de ce petit live. Et puis, ben écoutez, on vous dit rendez-vous, je ne sais pas quand, mais on essaiera de se reprogrammer ça peut-être la semaine prochaine avec Flo, on essaiera de faire ça peut-être une fois. Peut-être un dimanche soir, on verra. Ouais, ou peut-être dans la semaine, on verra, ça dépendra. Ouais, et puis, ben écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour la VOD déjà, et puis je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. Salut les gens. Ciao.